Let's go. You should always stay focused. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? Quand il y a trop de pression dans le tuyau explose. Pouf! Eh bien, c'est ça qui s'est passé avec les Clippers de Los Angeles. Hein? Guys, je vais en parler rapidement, mais parce que, hein, ça... J'en ai déjà parlé avec vous. Hein, le fait de ne jamais sous-estimer votre adversaire, ça, c'est un exemple. La préparation mentale, c'est un exemple. Hein? Puis justement, être en mesure de se mettre dans des situations, quand on fait des workouts, là, mais de se mettre dans des situations où est-ce que la pression est toujours à son pic, à son maximum, pour qu'on puisse gérer le stress de qu'est-ce qu'on va vivre. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui est que ce soit dans la NBA ou dans n'importe quelle ligue, là, que vous allez expérimenter un Game 7. Mais Game 7, ça veut dire quoi, guys? Hein? Match numéro 7, le match final, le match ultime, ça veut dire quoi? Tu joues pour tout. Hein? C'est comme si là, tu mets tout sur la table. Ah, qu'on parle de réputation, de quel type de joueur que t'es. Est-ce que t'es un joueur, t'es capable de jouer sur la pression? Est-ce que t'es capable de justement saisir le moment, puis de performer, puis que tout le monde fasse comme « Wow, le gars là, il est capable de gérer la pression. » C'est ça le match. C'est ça le match numéro 7. Game 7, ça veut dire tout ça. Et ce qui est difficile à gérer aussi, c'est le fait que, bon, OK, guys, on menait 3-1. Parce que c'est ça qui arrive pour les Clippers. Mentalement parlant, qu'est-ce qui arrive, c'est que les Clippers menaient 3-1 dans la série, right? Hein? 3-2. Là, t'es comme, bon, OK. Arrivé à 3-2, là, tu te dis, guys, c'est 3-2, on doit arrêter ça tout de suite. Moi, à chaque fois que quand je fais des séries, des matchs de basket avec les boys, qu'on joue contre d'autres équipes, puis qu'on mène 3-2 dans la série, je suis le premier à dire, guys, pas de match numéro 7. Parce que si on mène, puis qu'eux gagnent, puis on gagne une deuxième match, le momentum est plus de notre côté, il est de l'autre côté. Puis ça, c'est la dernière chose que tu veux. Équipe professionnelle ou pas, tu veux pas que l'autre équipe revienne de l'arrière. Ton momentum, tu l'as plus. Ta force, là, justement, mentale, là, il faut que tu ailles encore puiser, encore plus profond pour aller chercher, pour aller puiser une force. Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que tu joues, tu donnes ton effort, soi-disant, puis l'autre équipe, tout ce qu'ils font, c'est répondre tac au tac, pac, 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 pac. Puis tout ce qu'ils font, c'est gagner. T'es comme... Arrivé au match ultime, là, t'es fatigué. Mentalement parlant, t'es fatigué parce que où est-ce que tu pensais que ça allait finir, c'est pas fini. Finir un match, c'est difficile. Quand tu mènes par 15-20 points, là, puis qu'il te reste encore 20 minutes de match à jouer, là, mais ton focus, t'es comme, la game est finie, on mène par 20 points. Enlever son pied sur la pédale d'accélération, c'est la pire chose que tu peux faire, qu'une équipe au complet peut faire. Tu peux pas enlever ton pied sur la pédale d'accélération parce que tu mènes par 20 points. C'est la pire chose que tu peux faire. C'est exactement ce qu'eux, ils ont fait. Denver se sont dit, hey guys, on n'a rien à perdre. Il reste quoi? Il reste 10 minutes, on perd par 15, on donne tout ce qu'on a, man. Puis on verra ce que ça va donner. Puis ça a donné du positif. Tu sous-estimes, qu'est-ce qui arrive? Tu te fais prendre. Mentalement parlant, on parle de force mentale, mentalement parlant, comment vous pensez que les Clippers se sentaient, mentalement parlant, fatigués, ben, brûlés à bout? Kawhi Leonard, aucun point au quatrième quart, ça, inexplicable. Paul George, shoot to the backboard, zéro point, aucun free throw. Tout ça là, c'est non seulement c'est de la fatigue corporelle, leur corps est fatigué, mais mentalement parlant, les gars sont brûlés. Pourquoi? Parce que le fait que l'autre équipe, les Nuggets, sont toujours revenus de l'arrière pour gagner à la fin, ça les a complètement brûlés. Non seulement physiquement, mentalement aussi,
Fini. Il n'y avait plus rien, là. Plus rien. Plus de jus, plus de gaz, rien du tout. Guys, quand je vous dis, quand vous vous entraînez, entraînez-vous justement pour que vous soyez dans des scénarios comme ça. Entraînez-vous quand il reste 5 secondes au quatrième quart, que vous êtes down 1 point, 2 points, vous devez mettre la shot. Entraînez-vous comme si vous êtes justement à un match numéro 7, un match crucial, puis que vous devez mettre les 10 prochaines shots dans votre workout. Vous allez la ressentir, la pression, guys. Je vous le dis, vous allez la ressentir, la pression. Il faut couvrir tous les angles possibles. Ça, c'est un point. Deuxième point. Pour la tape que je vais, pour la vidéo que je vais rouler, mais on avait parlé aussi de ça aussi. Quand je vous avais dit que c'était important de jouer contre ses coéquipiers aussi, hein, ses amis aussi, parce que comme j'avais dit, qui mieux que vos meilleurs amis, garçons comme filles, ou vos meilleurs co ben, vos coéquipiers, qui de mieux qui vous connaît le mieux dans vos skills de basketball, c'est qui? Ben, c'est les gars avec qui vous passez votre temps à jouer vos matchs. Moi, perso, confession, je l'ai dit, mais j'ai jamais aimé jouer contre les gars avec qui je joue. Mes coéquipiers, j'aime pas ça. J'ai jamais aimé jouer contre eux parce que je me suis dit, pourquoi je devrais aller me mettre, tu sais, comme me mettre dans une zone où est-ce que là, soudainement, je fais comme si je les connais pas, puis commence à bousculer, puis mettre des shots, faire des moves que je serais beaucoup plus à l'aise à faire contre des gars que je connais pas, parce que je sais que les gars que je connais pas sont là pour me battre, sont là pour nous battre, pour gagner le match. Mais c'est ça qui t'est arrivé dans la vidéo. Puis juste pour vous mettre en contexte, puis bah, je vais pas dire c'est plate à dire, mais c'est sûr que c'est quelque chose que moi personnellement, c'est comme je suis comme ok, ouais. Une fois que c'est fini, je suis comme ok, sauveur, je vais rentrer chez nous, puis we're done. Mais je me dis, c'est soit ça ou je fais comme si comme puis toute la soirée, peut-être que j'aurais pas gagné un match. Il n'y a personne qui aime ça perdre. Moi, j'aime pas ça perdre. Fait que je me dis, garde, let's go. Tu fermes les yeux, puis tu y vas. Puis pour vous mettre en contexte, mais tous les gars qui sont là, on commence à 3 contre 3. Puis là, je pense que c'est Rocco Drew, il a dit, OK, c'est quoi le team? Fait que là, des gars avec qui il joue, il y a Badman Steve-O, il y a Chaz et il y a Rocco Drew. Et moi. Et là, Chaz arrive, il dit, OK, le team, c'est moi, Uncle Drew, Steve-O. Fait que là, je me retourne, je suis comme, on aurait pu faire 4, puis faire un sub ou quoi que ce soit. Il dit, non, 3 contre 3, Steve-O, Uncle Drew et moi. Fait que là, moi, je suis pas dans le team. Non. OK. Aïe. J'ai Big Charles avec moi. Puis j'ai David, là, celui que vous allez voir qui joue avec nous. Donc, c'est sûr que moi, je suis comme, OK, pas de problème. C'est comme ça que ça se passe. On va rouler ça comme ça. Il n'y a aucun problème. De fait, on perd le premier match. Vous allez le voir, on perd le premier match. Fait que si vous regardez dans la tête à un moment donné, je prends mon ballon, vous allez me voir, je marche, je m'en vais à l'autre panier opposé. Et c'est au moment que j'ai pris mon ballon, je me suis dirigé là-bas. Mais c'est comme s'il y a eu une switch qui a fait comme. Puis je me suis dit, c'est soit je perds toute la soirée, où je donne tout ce que j'ai, puis je vais dealer avec le résultat par la suite. Mais à ce moment-là, il a fallu que que je me dise, ces gars-là, je ne les connais pas. Comme si Steve-O, je sais pas c'est qui. Uncle Drew, connais pas. Chaz, connais pas. Fait que j'ai complètement dû bloquer tout ça dans ma tête. Puis dire, Max, joue basket. Puis, Uncle Joe, lui, il m'a toujours dit, Max, man, c'est le meilleur basket que tu peux jouer quand tu joues contre nous. Fait que, joue comme si tu jouais d'habitude. Fait que j'avais ça dans la tête aussi. Fait que je me suis mis dans ce state of mind-là. Puis j'ai joué au basket. En même temps, oui, je voulais prouver un point, comme pour dire, guys, vous pouvez pas me kick out comme ça. What the hell is wrong with you? C'est quoi votre problème? Pourquoi vous. Mais pas les gars, mais plus comme
Mon point à moi était plus dirigeant vers Chaz, comme pour dire, Chaz, t'as pas fait le bon choix, guys. I'm sorry. So, ballers, ballerettes, j'ai fini de parler. On est dans l'univers du Scorpion Academy, guys. Puis, je pense que je me suis mis dans mon Scorpion mentality dans la vidéo. Enfin, si je peux le dire comme ça. So, on n'oublie pas, guys. On met son like, notification. Vous avez des questions. On s'inscrit à la page. Le love arrête pas, guys. Le ball arrête pas. Next week, on va jouer inside. So, on est là. On est là. Sur la tape roule. Let's go. Oui.
Thank you.
Yeah.
Mathis, Mathis.